Donc c'est la nouvelle Mini Hatch, donc en variante 3 portes et 5 portes. Donc pour les nouveautés sur la nouvelle Mini, c'est déjà le premier point à savoir, c'est les premières Mini qui sont fabriquées sous le nouveau logo. Logo je dis de la Mini. Donc les 8, les Z, la Mini ou le Bad à la Bravo, c'est ça. Donc, le truc majeur s'est passé sur le logo. Autre chose, donc les signatures lumineuses, on avait avant en LED mini matrix. Donc mini LED matrix, c'est pour avoir une meilleure luminosité, une meilleure visibilité de nuit, et bien sûr les phares arrière. Donc je vais... Non. Voilà. Les phares arrière qui reprennent des demi Union Jack pour rappeler l'origine britannique de la marque Mini. Autre chose, donc pour l'intérieur, des changements à les feux dans le temps, 3 portes et 5 portes là, pour les 3 portes, 5 portes et cabriolet. D'accord. Voilà. Donc par contre, aussi on a 3 nouveaux choix de couleurs. On a de nouvelles gens. Bien sûr, Mini, c'est un... Tu m'en peux le dire, généralement, pour mes clients. Voilà. Mini, c'est un style de vie. Donc, c'est ça. Mini, elle ne représente pas un âge moral, mais c'est un style de vie. Donc, Mini, elle accentue essentiellement les productions sur la personnalisation. On a une possibilité de personnalisation énorme, que ce soit pour les huiles d'aération, on peut le personnaliser. Le tableau de bord côté passager qu'on peut personnaliser. Connaissent pas la technologie Yum, on a des écrans, je dis, qui est tactile. On a une nouvelle boîte 7 rapports à double embrayage. Une boîte HD à double embrayage, 7 rapports. Donc que ce soit pour les OAS ou pour le 1.5. Donc évolution majeure. Aujourd'hui, Mini, c'est à 100% des moteurs BMW, et qui dit BMW dit Twin Power Turbo, et les Twin Power Turbo, ils commencent avec le 1.5, la plus petite motorisation. Le 1.2 n'existe plus. Le 1.2 n'existe plus, donc on est sur du 1.5, que ce soit en 20, 102 chevaux, ou bien en Cooper 136 chevaux. Bien sûr, il reste toujours le 2 litres qui est à 192 chevaux pour le Cooper S. Et la version ultime de la Joule Coco Works qui est à 231 chevaux. Voilà. L'écran est une image tactile. Ouais. Tactile. Évolution majeure aujourd'hui, c'est l'écran tactile à l'intérieur. D'accord. Et quand est-ce qu'elle sera disponible ? Il y avait la molette. Non, c'est la molette, c'est tactile. Disponibilité image de la molette. La SWEM, ça débute à 112 700 pour les boîtes manuelles. Et pour les boîtes manuelles en 3 portes et 114 700 pour les boîtes manuelles en 5 portes. Pour les boîtes auto, c'est 123 000 pour la 3 portes et 124 000 pour la 5 portes. Voilà. On a choisi là. Non, on peut voir. Merci, Valérie. Il y a les conseillères commerciales, Selima, Madame Semiamad et Amal. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous. Merci.